Salut à tous, ici TalkingStone et on se retrouve dans une nouvelle vidéo, cette fois sur mon jeu préféré du moment, à savoir Elite Dangerous. Nous sommes sur la bêta 1.4, enfin le jeu est sorti, mais c'est la bêta de la version 1.4, donc avec la sortie du tant attendu CQC, le Close Quarter Combat Championship, qui est en gros un mode un peu arène, avec du match à mort par équipe, du capture du drapeau, comme dans la plupart des jeux versus type FPS, mais ce coup-ci c'est dans l'espace. Et donc c'est ma deuxième partie, j'en ai juste fait une avant pour voir un petit peu ce que ça donnait, s'il y avait pas des bugs ou quoi. Y en a pas. Enfin, juste mon tout premier chargement qui a duré très longtemps et donc j'ai dû redémarrer le jeu. Mais pour l'instant, ça va très bien, voilà. Donc on se retrouve avec le F-63 Condor, un vaisseau pilotable uniquement dans ce mode. Et un pilotable dans le jeu de base. Si vous connaissez pas Elite Dangerous, allez vous renseigner. Parce que ce n'est pas une vidéo de présentation du jeu. C'est une vidéo découverte du CQC, ou du moins de la bêta du CQC. Ça c'est un boost de dégâts. Alors là, il y a quelqu'un ici derrière. Alors, te voilà. Ou un Eagle déjà. Ah ouais, tu t'as joué au RAM. D'accord. Où est-ce qu'il est? Il est là. Du coup, il est chauffe. Je crois que je l'ai presque eu. Ah, le boost de dégâts, ça pardonne pas. J'ai eu. Ok, je suis premier, mais je me fais allumer par un samedi. Donc on va se tirer d'ici. Voilà, c'est un vaisseau très maniable, ce qui est très pratique. Là, ce serait bien que je recharge mon bouclier. Il doit y avoir des boosts dans le coin. Pour l'instant, je suis premier, je suis seul à avoir fait des kills. Je sais pas combien on est, je sais pas comment on fait pour voir combien on est. Alors. Ah 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 ah. C'est moi qui l'ai eu? Ouais, c'est moi qui l'ai eu. Alors ici, ah ah ah, ça c'est quoi? Ça c'est un buff de vitesse. Ah non, je suis camouflé. Très bien. Alors, Sidewinder, donc là, ce que j'ai en face de moi, c'est le vaisseau de départ du jeu, normalement. Voilà, pour l'instant on se balade. J'ai l'impression qu'on est que 3 en fait. C'est pas très grave. C'est une partie très courte hein, comme vous pouvez le voir. Alors, ça est-ce que ça me détruit? Ouais, ça me détruit. Je dirais que ça attire par là-bas. Ça, c'est à moi. Ça, un boost de bouclier, comme ça je peux résistant. Viens par ici, toi. L'autre derrière, il m'aura pas. On déploie les contre-mesures. Là, je vais essayer de me casser. Juste vérifier un truc. Est-ce que j'ai quelque chose sur le panneau là? Juste mes modules. Tous les panneaux habituels du jeu ne sont pas là. Donc là, j'aimerais bien que mes boucliers remontent. Merde. Je vais me faire baiser la gueule. Oh. Voilà, oh merde, c'est sûrement qu'il est.
contre les chefs. Ah non, il y a plus de monde là tout de suite. C'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a vu? Il n'a pas vu. On a l'avantage. Allez. Il mort avant. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc là on voit la vue, et il arc s'échappe et tout. C'est parti, il y en a un juste là. Il est à moi. Est-ce qu'il est à moi? Non, c'est pas moi qui l'ai eu. Par contre, toi t'es à moi. Ouais, toi t'es à moi. Là-bas. Ça, je veux. Oh non. Et merde. Bon, ça va, j'ai quand même bien entamé. Il a disparu parce que je l'ai plus dans mon champ. Bonus de vitesse, ça peut servir ça. Allez hop, c'est parti. Ah ouais. 400 boost, c'est énorme. Ah ok, c'est que temporaire. C'est un boost temporaire donc il sert à s'enfuir. Ils n'ont pas vu le bonus de dégâts. Attention, sa coque va prendre très cher. Voilà. Encore toi, commandant Petre. Getrek, c'est le mien. Mon kill. Oui, j'ai gagné! Premier à 800 points, donc. On peut parler? On peut parler. J'ai pas eu le temps. Magnifique. Donc je vais monter rang 2, je vais débloquer normalement un nouveau vaisseau. Sidewinder, laser tracker, cellule d'énergie. Ouh, les cell banks, ça c'est puissant ça. Je vais monter rang 3. Ok. On débloque le Eagle. Magnifique. Excellent. Ça s'accumule. Ah, j'aime bien. Bon, pour l'instant, c'est que la bêta, donc je ne pense pas que tout ce que je débloque là sera maintenu plus tard. Mais, par contre, du coup... Eagle, Loadout, 3 rayons, thermique, laser, impulsion, tracker... Bon, on va essayer les 3, hein, écoutez. Modifier, je peux le modifier? Laser tracker, laser tracker. Je ne veux pas encore le modifier, d'accord. Donc on va prendre le side D. Donc c'est le classique, hein, rouge contre bleu. Oh! Alors lui, Commander Tomsky, je l'ai croisé il y a 2 semaines à peu près. 2 semaines dans le jeu normal. BBFA, c'est un groupe de joueurs en fait, un groupe de joueurs PVP, si je me trompe pas. Et lui, je l'ai croisé à côté d'une station très récemment. C'est assez drôle de le voir ici, parmi tous les joueurs du jeu. Il tombe dans la même instance que moi. C'est plutôt cool. Voilà. Donc voilà, c'est que si, pour l'instant, j'aime beaucoup. Hein. Il y a un système de prestige, il y a 50 rangs en tout. Une fois qu'on est rang 50, le prochain niveau, on passe prestige 1, niveau 1. Il me semble que c'est pareil dans Call of Duty, mais je ne suis pas sûr. Et on peut avoir 9 prestiges en tout, et au fur et à mesure qu'on avance, ça va débloquer des gains de crédit dans le jeu de base. Ainsi que,
un icône spéciale qui va dire voilà ce jour-là en CQC il est tel rang, il est relativement bon en PVP donc faut pas le faire chier. Ok donc je repars là. Retour au bon vieux Sidewinder. Oula, portée 1 km, c'est pas énorme. Il tire relativement vite, mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Il a déjà pris le boost. Lui. Oula, ils m'en veulent. Eh merde. Ah non. Ah, il me suit. Bon, je me suis fait défoncer. Donc le Sidewinder, si on en croit les développeurs, c'est plus le vaisseau tank en fait. Le Condor, il est rapide, il fait des dégâts moyens et l'Eagle, c'est le DPS, le gros DPS. Voilà, j'ai pas le vaisseau le plus puissant, disons, ni le plus maniable. Même si c'est quand même un petit vaisseau bien sympathique, hein, le Saïd. Toi, Tomsky, viens ici. Est-ce que je l'ai eu? Je l'ai pas eu. C'est une assist. Toi, je vais t'envoyer pêtre. Et donc ça, c'est basiquement du laser Gunvald. C'est-à-dire du laser guidé. Comme on a dans le jeu de base. Donc la boost de bouclier, est-ce que ça les recharge? Oui, ça les recharge à fond, terrible. Alors lui il a déployé les chaffes. Il a raté le mur, il a pris le mur. Ça fait plaisir comme ça du petit combat en petit vaisseau. Ah il va recharger ses boucliers, ça va pas. Alors toi, désolé mais tu me passes devant. C'est gratuit. Est-ce que je peux... Ah oui, je peux target les sous-systèmes quand même. Donc ça c'est kill gratuit. Des pot dating. Voilà. Toi aussi t'es gratuit. Hop. On monte, hein. Tomsky est toujours premier, mais... Ça sert de la flight assist. Il fait canarder. D'abord, je vais l'avoir lui. J'ai pris la tête. Je vais me faire démonter avant. Oh, quoique. Bon, voilà. Alors, le Sidewinder, c'est pas mal. Est-ce que je peux prendre le Eagle? Il a quoi, lui? Il sync des rayons laser. Ouais, normal, ça génère beaucoup de chaleur. Ça, c'est le premier vaisseau de combat qu'on peut avoir dans le jeu de base. Hein. Petit vaisseau très maniable. Oui, ils sont les ennemis. Toujours premier, c'est plutôt cool. Je me démerde plutôt pas mal. Là. Hop, ça c'est fait. Ne bougez pas beaucoup le coco, hein. Je sais pas ce qu'il faisait. Il
Là, il y en a un derrière. Où est-ce qu'ils sont? Un condor, c'est squishy ça, un condor. Encore plus squishy qu'un eagle qui déjà est en carton de dépôt. La vache. Ouais, je suis mort. Ouais, donc le vaisseau que j'avais là est un vaisseau en carton dans le jeu de base. Hein. Ça se fait démonter par tout ce qui est un peu plus gros. Une fois que ça a pu bouclier, c'est terminé. Hop là, un mitrailleur. Oh, il veut me rame. Donc rame, voilà, c'est ce qu'il vient de faire, c'est rentrer dedans, tout simplement. Je suis deuxième. C'est bon, je vais l'avoir. Le boost de bouclier est juste ici. Je vais me sauver la vie. Bien. Oh vache. Allez. Est-ce que je peux avoir le condor avant? Non. Non, je peux pas. On va repasser au Saidi pour la fin. Ah, ça c'est des petits tunnels, on peut détruire les tuyaux au-dessus. Je montre avec mon doigt, mais ça sert à rien, vous voyez pas. Et voilà. Bon, je suis deuxième, Tomski a gagné. C'est un pilote PVP en même temps, hein. Moi, je fais pas énormément de PVP en jeu normal. Mais c'est pas très grave. Je m'en démarre plutôt pas mal. Est-ce que j'en fais une dernière? Ouais, allez, parce que j'ai envie. Bouclier léger, qu'est-ce que c'est que ça? Bref, est-ce que j'ai pris un rang ou pas? Non. Les bloquer en 11 le prochain, le bat du Condor, ok. Qu'est-ce que c'est que le bouclier léger? Reduce power draw. Ouais. Je pense pas que ce soit intéressant. 12 diverter. Ok, blindage, un peu haut, un peu de blindage, un répartir de puissance peut améliorer. Vogue par Silent Running. Intéressant. Rayon thermique, canon rapide, ça c'est super puissant de ce que j'avais vu à la Gamescom. On va repartir au Condor. Parce que c'est un bon petit vaisseau, j'aime bien. On attend d'autres joueurs. Hein. On n'est pas assez nombreux. Bon, en attendant, statistiques, qu'est-ce que ça dit? Helpless, je suis à 50%, parce que ça c'est un rang qui s'est rajouté. En fait, on a 3 rangs dans le jeu de base. Bon, ça met un peu, il y a le rang de commerçant, le rang de combattant, le rang d'explorateur, et donc là ils ont rajouté un rang de 6 qui est aussi compétitif en fait. J'ai un ratio de 18-3-6, c'est plutôt pas mal, je pense. C'est honnête. 2 victoires, 18 cibles battues. Voilà, ratio 3. 3 fois plus de kills que de morts, donc ça va nous donner pas mal. Ah bah tiens, on pourrait faire un autre. Je ferai ça dans une autre vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo par mode. Peut-être. Enfin, les 3 modes actuels. Je pense. Ça me paraît pas mal. Est-ce que j'ai d'autres armes à lui mettre? Non, petit canon. Oh! Alors, rapide fire projectile, elle cause high damage à close range. Ok, donc ça c'est du canon. C'est basiquement du pompe, tout simplement. Et le eagle, qu'est-ce qu'il peut avoir? Alors, retenue plus les armes de deliver high damage. Ok, donc ça fait de très gros dégâts pour une très grosse charge thermique, donc c'est moyen, les canons. Ok, tout simple, les canons. Et la même chose. Ah non, c'est du pulse, donc c'est pas du rayon, c'est pas pareil, c'est un laser à impulsion. Et je peux pas voir ce qu'il y a dans les loadouts suivants, dommage. Ah, c'est parti. Je sais plus du tout ce que j'ai choisi comme vaisseau. On verra bien.
Le Eagle, ok. Engage. Ah ouh. Ah ouh. Oh merde, 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 merde. C'était débile. Je vais quand même reprendre le Condor parce que j'aime beaucoup. Essayer de passer dans le tunnel. Oula, il y a du monde ici. Maroc, encore toi. HDE, mais bouge. Il faut quand on se bat, il faut bouger. Voilà, oh la vache. Allez, ah, pas assez d'énergie dans les moteurs pour fuir. Tant pis. Tant pis, tant pis. Il n'y a pas un boost dans le secteur, s'il y en a encore là-bas. Là, il y a un ennemi. On va d'abord s'en occuper. On n'a pas vu. Tant mieux. Salut. La flight assist. Oh toi, tu sais pas tourner en flight assist. C'est pas bon pour toi ça, Coco. Où est-ce qu'il est? Il est là. Qu'est-ce qu'il est passé, salopard? Oula, ça c'est intéressant, ça. Faut vite que je trouve une cible avant que le bonus se barre. Je vais prendre l'astéroïde. Non, ça. Allez. Voilà. Bonus a été pris. Ok, je suis mort. Voilà, je suis allé avec le bonus de dégâts. Bon, en fait, je parle pas énormément parce que je suis concentré. Et il y a de quoi. Encore un condor. Toi, tu sommes derrière l'astéroïde. Hop, je t'ai eu. Je suis troisième. C'est moins bon que tout à l'heure. Encore quoi? Ah non, c'est pas le même.
Hop, les deux. Deuxième, on remonte. Quelqu'un avec le boost de dégâts derrière moi. Voilà. On prend des dégâts assez vite. Bande, ça a gagné. Ok. On peut lui dire GG? Non, je peux pas. Ok, c'est pas grave. Et voilà, voilà. Donc, c'est sur cette, sur ce 4-4-4. Bon, bon ratio. Que, bon, c'est sur cette partie que je vais vous quitter. Je referai sûrement des vidéos pour les autres modes, hein, donc la 4 sur 4 drapeau et le match à mort en équipe. Blindage à résistance inversée, qu'est-ce que c'est que ça? Des modules qui n'existent pas dans le Elite classique. Voilà, voilà. Donc, je sais pas quand sortira cette vidéo, ni à quel intervalle elle sortira des autres. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, etc. etc. à dire si c'est ok comme d'hab. Et bien, je vous dis à plus. Ciao. Ship is untried and you say she can't fly. The chances are good she will not reach the sky. But she has to be tested, for space is the prize. If you think none will take her, just look in my eyes. So show me the gantry, give me the ship. Give me the fuel and I'll go on that trip. Now if I return, you can say I was bold. My place is in space as the heavens unfold. I know I may die, that I may not return. But just strap me in and I'm ready to burn. My life I will pledge if my life be the fair. For I need the long dark and the stars past the air. So show me the gantry, give me the ship. Give me the fuel and I'll go on that trip. Now if I return you can say I was bold. But my place is in space as the heavens unfold. If I live I'll be glad, but that's not why I go. For my heart is afire with the rocket's red glow. My body knows free fall, though I have not been to my home in the sky with the world never seen. So show me the gantry, give me the ship. Give me the fuel and I'll go on that trip. Now if I return you can say I was born.